Good morgen, allez Yidan, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Chayester, Bat Myriam et Moshe Ben Leovanish, ainsi que leur fête Olivier Israël Shimon Ben Chayester, Khamshat Myriam Adroslena et Binamin Ben Chbiba, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, nous prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle, nous étions à Sechet Ovin Perik Alef, Perik Bet Mishnah Alef. Aussi, nous passons la Bira Hot, Arba, Diumdin, Nirin, Keshmona. Divré Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Shmona et Nirin, Keshne Masar, Arba, Diumdin, Ve Arba, Pshutin, Govhan, Asarat Fachim, Ve Rochban, Shisha. ועובין כלשהו, ובניהן כמלוא שתי רווקות של שלוש שלוש בקר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר של ארבע ארבע, קשורות ולא מותרות, אחת נכנסת ואחת יוצאת. Je vais commencer par traduire la Mishnah, la première partie de la Mishnah, vous n'allez pas comprendre grand chose, mais comme ça ce sera plus facile ensuite d'expliquer. Osin passin le biraot, on a le droit de faire des passines, de faire des... comment dire, un passe, des linteaux, ou je sais pas, des petits poteaux, pour les puits. Donc on parle de puits, ou plutôt de sources plus précisément. Biraot, c'est pas borot. Biraot, c'est un BR. BR et bor, c'est pas la même chose. Bor, c'est un puits. BR, c'est une source. C'est le même principe, malgré tout. Donc, une discussion, mais bon. Pour le moment, donc, aussi une passine et biraot, on a le droit, on peut faire des passines, donc, comment j'ai traduit, des poteaux pour les puits, en faisant comme ça, Arba Diumdin Nirin Kishmona, en mettant 4 Diumdin, en fait un Diumd, c'est un mot composé de Diu Amoud, 2 Amoud, 2 poteaux. En fait, tu fais un poteau qui compte comme 2, Nirin Kishmona, puisque je te dis d'en faire 4, et t'en mets 4 qui sont chacun double, donc ça fait Nirin Kishmona, on a l'impression qu'il y en a 8. Telle est la vie d'Ivré Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Shmona, Nirin, Kishnemasar. Non, il faut que tu prennes au total 8 poteaux pour que tu aies l'impression d'en avoir 12. Comment on fait des comptes? Arba, Diumdin, tu mets 4 doubles poteaux. Ve Arba, Pshutin, et 4 simples. Et je commence à expliquer. Tout d'abord, on a déjà expliqué, on a déjà répété plusieurs fois déjà que le Reshut Hayachid dans un Shabbat, le domaine privé n'implique pas la propriété de quelque chose qui est privé, d'une personne. On définit comme un domaine privé toute chose qui est définie par des barrières. On peut avoir un poteau dans la rue qui a une largeur de 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc ça fait l'équivalent de 40, allez, prenez 50 cm sur 50 cm avec une hauteur de 1 m 20, allez, je suis large. Vous avez un poteau pareil dans le Reshut Arabim, vous avez ici un Reshut Hayachid. J'aime bien prendre cet exemple. Vous trouvez une mezouza par terre pendant le Shabbat. Quel juif va laisser une mezouza par terre? Vous allez ramasser la mezouza du par terre, la poser sur le poteau, vous transgressez un interdit Shabbat. D'accord? Il ne faut pas la ramasser. Je sais pas. Vous la ramassez, vous restez avec elle, si ça vous tient tellement à cœur, vous restez avec elle toute la journée dans la main, c'est pas grave. Mais en tout cas, la poser sur le poteau, vous transgresserez un interdit minatora, parce qu'on fait passer du Reshut Arabim au Reshut Hayachid. Ok, je ferme cette petite parenthèse, qui m'aide beaucoup, et maintenant j'arrive sur le... On va prendre le cas d'un puits, d'accord? Après on expliquera plus, on parle d'un puits ou d'une source. Pour le moment, on parle d'un puits. Un puits, c'est quelque chose aussi qui est défini par des mechitzot. Il a des mechitzot, peu importe quelle est la hauteur des mechitzot, parce qu'il a des barrières, d'accord? Puis c'est quelque chose qui est creusé. Il a des barrières. Premièrement, ces barrières elles-mêmes, elles peuvent être une hauteur de au moins 1 mètre. Mais même si elles n'ont pas une hauteur de 1 mètre, il y a au fond du puits une hauteur de 1 mètre. Or, vous avez un espace qui est défini par au moins une largeur de 4 farim sur 4 farim, s'il est carré, ou s'il est gros, s'il est en rond, c'est la même chose. Donc, vous avez un parfait Reshut Hayachid. Or, moi, si j'ai soif dans la rue, et que j'ai un puits, et l'eau elle arrive jusqu'en haut, c'est parfait, je prends un verre et je bois. Moi, je suis dans le Reshut Arabim. Lui, c'est un Reshut Hayachid. Tu prends un verre et tu l'amènes à toi, tu as transgressé un interdit de Shabbat de porter. D'accord? Donc, quelle est la solution? La solution, elle est de ne pas boire. Ou bien, il y a une autre solution. En fait, il y avait, à l'époque, vous imaginez, il faut se mettre en scène un petit peu à quoi ça ressemblait l'arrivée des fêtes juives en Israël. Il y avait tout le peuple d'Israël qui montait tous à Yerushalayim. Et il y avait des gens qui venaient parfois pendant... Ça pouvait prendre jusqu'à 2 semaines, ouais, depuis la sortie de Shemina Tseret, jusqu'au 7 Reshvan, la saison des pluies. Peu importe. Ça peut prendre 2 semaines, 2 semaines de marche, de, comme on avait expliqué, de Shayara, de caravane qui vont se mettre à partir de ville en ville. Imaginez tout celui qui habite, je ne sais pas, Khatsor dans le nord, dans le Galil, ou bien celui qui habite dans le sud, à Be'er Sheva, je ne sais pas. Et il n'y avait pas des voitures, donc ils devaient avancer doucement, doucement, selon leur petit train-train, apporter toute leur maison avec, apporter leurs fruits, apporter leur nourriture, c'est la grosse ambiance. Maintenant,
Ça, maintenant, quand il se retrouve maintenant pour le Olé Régalim, pour ceux qui montaient à Yom Shalim, Chachamim ont dit c'est pas possible là 2 minutes. Ils vont avoir soif. Ils ont posé un campement. Ils ont posé un campement comme ça dans la rue. Imaginez qu'il y a un puits naturel, on ne va pas leur permettre de boire. Il faut trouver des solutions. Il faut leur permettre plusieurs choses. Et Chachamim, ils ont donné la possibilité de fabriquer un petit Reshut HaYachid parfait. Puisque le problème de puiser de l'eau du puits et la boire, tu transmets sans nécessité de passer du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, il va falloir que tu crées un enclos, en fait, autour du puits. Maintenant, on fait avec les moyens du bord, on n'a pas beaucoup de choses quand on est en plein transport. Alors on a une super solution. Tu prends 4, c'est pas exactement des poteaux, en fait, c'est 2 planches qui sont en forme de L, d'accord ? 2 planches en forme de L, et tu fais comme ça, t'en prends 4, donc des angles en fait, tu prends des angles, un double amoud, donc ça fait c'est des angles. Tu prends des angles qui ont une hauteur de 10 tfachim, et une largeur de 6 tfachim, chaque côté, et tu encercles comme ça, avec ces 4 L, avec ces 4 angles, tu encercles comme ça le poteau, le puits. Et tu as réussi à créer un enclos autour du puits qui est maintenant un chédéachid. Bien évidemment, tu ne prendras pas de l'eau de l'enclos, tu l'as fait sortir dehors, parce que là tu vas commencer à l'interdit de passer du chédéachid au chédéachid. Mais en tout cas, tu pourras de la sorte prendre maintenant l'eau qui se trouve dans le puits et la boire à l'extérieur, ou donner à boire à tes animaux aussi. Ok ? Telle est la nécessité de faire ces passim. Maintenant, la question, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, vous avez pu remarquer qu'en fait, 2 fois, on mentionne Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On les mentionne au début avec combien de poteaux faut-il mettre ? Combien de planches ? J'ai pas le bon mot, quoi. Combien de planches faut-il mettre ? Est-ce que ça suffit de mettre 4 doubles, ou est-ce qu'il faut mettre 4 doubles et 4 simples supplémentaires ? Au total, ça fait l'équivalent de 12. Et on a une marloquette à la fin de la Mishnah, hein, où on verra en réalité, ça se calcule selon la largeur des vaches. Une marloquette, est-ce qu'il en faut 3 ou est-ce qu'il en faut 4 ? En fait, j'explique, la Gemara explique, que il n'y a pas de marloquette, il y a une seule marloquette. La question, elle est de savoir, tout simplement, entre ces deux angles, combien d'ouvertures tu as le droit de laisser. Combien d'ouvertures tu as le droit de laisser. Il y a une marloquette. Je le dis directement, après on expliquera un peu mieux. Selon Rabbi Meir, ouverture maximale 10 amot. Pas plus. Jusqu'à 10 amas, et pas plus. 10 amas, ça te laisse quand même 5 mètres, mais pas plus. Parce que une ouverture, ça implique 10 amas. T'as ouvert, t'as élargi, maintenant, malgré tout, t'as plein de troupeaux à abreuver, tu veux écarter plus, ça n'a pas de problème, mais tu rajoutes des poteaux au milieu. Tu ne laisses pas des ouvertures plus que 10 amas, c'est pour ça que Rabbi Meir va nous dire, et Rabbi Yehuda va nous dire non, pas 10, mais 13 et 1 tiers ou 2 tiers, je ne sais plus, on refera le calcul ensemble quand on arrivera à la fin de la Mishnah. 13 amas et 2 tiers. D'accord ? Attendez, je préfère le dire tout de suite comme ça, je sais pas. Shloshes amas veshlish, 13 et 1 tiers. 13 amas et 1 tiers. Rabbi Yehuda, il permet un peu plus. En fait, quelque part, la marloquette entre Rabbi Meir, est-ce qu'il faut, est-ce que ça suffit d'avoir 4 angles, ou est-ce qu'il faut 4 angles plus encore 4 simples, elle se retrouve en fait dans l'intervalle où je veux mettre des ouvertures de plus de 10 et inférieur à 13,5, à 13 1 tiers. Si je veux mettre plus des ouvertures plus larges que 13 1 tiers, même d'après Rabbi Meir, il faudra rajouter des poteaux au milieu, parce qu'il n'est pas question de laisser des trop grandes ouvertures. Mais si tu veux pas, tu veux juste jusqu'à 13,5, Rabbi Meir te dit tu mets juste les 4 angles et ça suffit. Ok ? J'aiguise un petit peu plus la notion qu'il y a un très grand chidouche dans cette Mishnah. Parce qu'on avait appris que lorsqu'on veut encercler, définir, délimiter un domaine privé, on avait appris qu'il faut nécessairement qu'il soit majoritairement ou au moins à moitié fermé. Or là, je t'ai dit que tu mets 6 tefards, ça fait une ama. Je t'ai dit une ama, ça fait 2, fois 4, ça fait 8, et contre 10, 40 amas d'ouverture. Tu as réussi à faire un enclos qui est essentiellement ouvert, bien plus ouvert que fermé. Il ne remplit pas la règle, et c'est toute une histoire, comme expliqué, que concrètement, Minatora, ça suffit déjà, spécialement pour les birotes. D'accord, ça préfère trop dans les rouvines, ça devient trop compliqué. Les rouvines, c'est une sécrète, qu'il y a des gens qui plongent dedans pendant 2 ans et 3 ans, ils étudient que ça au collège, matin, midi, soir, à toutes les sauces. En lisant plus vite la Gemara, un petit peu, des fois Gemara Chitoswot, et des fois en étudiant avec tout le Rishonim, en étudiant avec la Lacha, c'est un monde entier, comme Nida, c'est un monde entier, comme Prochaine Mishpat, c'est un monde entier. Il y a des gens qui n'ont pas eu le mérite d'étudier, oui, j'étudie plein de choses, mais pas ça. Il faudrait qu'un jour j'en étudie ça au collège, et qu'on plonge aussi. Mais en tout cas, dès qu'on commence à creuser un petit peu, ça devient très complexe. En fait, c'est une Maseret qui est très riche, et riche en, et qui requiert beaucoup de.
beaucoup de déguiser beaucoup de notions. De l'homme d'Es, en deux mots. Je reviens maintenant sur le sujet. On est donc dans les passim. Il y a un très grand fidouche, mais c'est comme ça. Rabbi Meir, il a dit malgré tout, l'ouverture jusqu'à 10. Et dans ce cas-là, ça marche de mettre les lumières. Tu vas en mettre plus, il faut que tu rajoutes des poteaux. C'est tout ce qu'on a lu maintenant. La première partie de la Mishnah, je retraduis. Aussi une passim les biraot, on a le droit de mettre des poteaux ou des planches pour les biraot, pour les. J'ai dit que ce n'est pas les puits exactement, mais c'est plutôt des sources. C'est des sources d'eau naturelle qui jaillissent, où on leur construit une sorte de puits. On expliquera ensuite. Il y aura une discussion plus loin dans la Mishnah entre Rabbi Akiva et. Dans les cours, on va découvrir. Pour le moment, j'avance. Comment tu le fais? Tu mets Arbaa Diumdin. Tu mets 4 Diumdin. 4 double poteaux. Donc en fait, 4 L. 4 angles. Nirin Kishmona. De manière à ce que ça va faire l'équivalent, en fait, comme si ça fait 8, puisque chacun il est double. Tu te mets d'un côté ton bois 2, tu te mets de l'autre côté 2, donc ça fait 2 et 8. Ok? Divré, Rabbi Yehuda, tel est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non, Shmone, Nirin, Kishne Masar, tu en mets 8 au total, comme ça, ça va avoir une allure de 12, que Arba, Diumdin, 2 qui sont doubles, 4 qui sont doubles, donc ça fait déjà 8, et Arba, Pshuté, les 4 simples. Si on regarde le Barthéno, il va me dire que la discussion elle est de 10 jusqu'à 13 entières, ce qu'on a expliqué à l'oral, que d'après tous les avis, si j'en mets que 10, même d'après Rabbi Meir, ça suffit de mettre juste 8, enfin 2, 4 fois 2. Et d'après Rabbi Yehuda aussi, si je veux mettre plus qu'une ouverture plus large que 13,5, alors il faudra rajouter davantage de poteaux. Maintenant, la Mishnah continue à me les définir un petit peu plus. Govhan Asarat Fachin Verochban Shisha. Leur hauteur, elle est de 10 tefach, de 10 points, donc prenez 10 cm, allez, donc ça fait l'équivalent de 1 mètre, ou 1,20 m. Et leur largeur fait 6. 6 fois 10, 60 cm, ou 72. Et leur épaisseur, un tout petit peu, même, ils sont très fins. C'est pas, y a aucune restriction sur ça. Et maintenant, on va mettre le... la Mishnah elle va passer à l'explication de la largeur que je te permets. Combien d'espace je te mets d'un poteau à l'autre? Et je vais vite fait expliquer. Je vous ai dit qu'il y a une marquette en fait, on va bien dire, est-ce que tu mets un espace de 10 ama uniquement, ou bien, selon la première Buda, 13 un tiers. Tout est mesuré en vache. Une vache, elle fait de largeur 2 moins un tiers. Donc, une ama et 2 tiers d'ama. Une ama et 2 tiers d'ama. D'accord? Selon Rabbi Meir, en fait, je peux mettre l'équivalent de 6 vaches. Donc si vous faites 6 fois 1, 2 tiers, donc 2 tiers fois 6, ça va faire 12 tiers, donc ça va faire 4, et 6 plus 4, ça fait 10 amas. Et selon Rabbi Yehuda, tu peux mettre en largeur 8 vaches. Donc 8 fois 1, 2 tiers, ça va faire 8, plus 16 tiers, donc 16 tiers, ça fait l'équivalent de 15 plus 1 tiers, donc 15 plus 1 tiers, 15 tiers plus 1 tiers, ça fait 5, donc 8 plus 5, 13 plus 1 tiers. D'accord? 13 amas et 1 tiers. Donc comme ça, on est arrivé, le compte est bon. C'est ce que la Mishnah me dit en fait, tu le calcules en vaches. Maintenant, comment tu calcules les vaches? Je vais vous expliquer un petit peu mieux. C'est pas, tu prends des vaches, une vache, elle fait, tu vas mettre 6 vaches en même temps. Ça dépend combien elles vont se pousser, combien elles vont s'élargir. Donc en fait, il faut mettre des vaches qui sont attachées entre elles, attachées, fixées. Mais malgré tout, c'est pas la peine de les mettre qu'elles soient toutes alignées. Mais tu peux mettre un groupe de 3 vaches qui, en direction d'entrée dans dans l'enclos, dans le petit enclos qu'on a fait, et un groupe qui ressort, donc comme ça, ça permet de réduire la largeur, en fait. C'est le principe qui est écrit dans la Mishnah, regardons, on fait ça dans les mots, ou venehem, et entre les deux poteaux, kemelo shtei revakot shel shalosh shalosh bakar, comme l'équivalent d'une rivka. Une rivka, c'est un groupe de vaches. Des vaches regroupées, comme quand on veut tirer la charrue, on a vaches, 2 vaches, 3 vaches. Donc, shtei revakot, comme l'équivalent d'une largeur de 2 revakot, de 2 groupes de vaches attachées, shel shalosh shalosh bakar, qu'il y a dans chacun 3 vaches, divrei Rabbi Meir, tel est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, non, shel arba arba, je te permets d'en mettre 4. Donc, 4 fois 1 2 tiers, plus 4 fois 1 2 tiers. Kshurot velo mutarot. Maintenant, les vaches, tu dois les attacher et pas les laisser libres. D'accord? Il faut qu'elle soit réellement attachée. C'est ça l'insistance. Achat nichneset, achat kneset, par contre, je te permets une petite coula, une petite permission. Quand tu fais ton calcul, c'est pas de prendre maintenant que les 4 vaches, elles vont, que les 8 vaches, que les 6 vaches de l'environnement, elles vont vouloir tout ensemble rentrer, parce que dans ce cas-là, ça prend plus de largeur. Mais tu mets 3 ou 3 qui rentrent et 3 qui sortent. D'accord? Achat nichneset, achat kneset, un groupe qui entre et un groupe qui sort. Et voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et un Shana Tova, Tiskul Shalim Rabot, Ktiva Vechatima Tova à tous, Chef Abracha Vatzlacha, en Rochaniut, en Geshmiut, chez tous, Bezrat Hashem, dans toutes vos familles. Bracha, réussite pour l'année prochaine, Bezrat Hashem, Tafshin Pe'alef, qu'on a le mérite, Bezrat Hashem, de voir enfin la Geoula pour cette année. Et voilà, Kol Tuv Sela.